le relais, si je simplifie, si je schématise, c'est un tour sur soi-même. Un mouvement de déplacement qui permet donc à la fois de se déplacer et de récupérer une position. Voyons ceci en détail. Pour travailler mon relais, je vais partir de la position de la cadère. Je vais amorcer une rotation. Je vais commencer par le haut de mon corps, suivi du bas du corps. Bien regarder en dessous de soi vers l'avant et je reviens à la position de ma cadère. Je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté. Rotation des jambes, rotation du haut du corps. Je reviens à la cadère, les bras bien en haut. Présent, penchons-nous sur la position de la négative. La position de la négative est une position accroupie. Pour pouvoir tenir en équilibre sans les mains, je suis assis sur le talon, les jambes sont fléchies. Le poids du corps est vers l'avant, mes jambes sont jointes. Ma main droite est à plat au sol, ma main gauche me sert de protection, me sert de garde. Je penche mon buste et je le pose sur ma jambe. Je suis en position stable, équilibrée, compacte. Je fais la même chose également de l'autre côté, pareil. Négative va me permettre notamment d'entamer une rotation. On va faire la même chose de côté pour que vous voyez bien. La roue, autrement dit la roue en capoeira, est un déplacement, est un mouvement de base. Voyons voir la roue en détail. Pour le travail de la roue, je vais partir de la cadère. Ce qui est très important, c'est le déroulement des appuis. Je vais partir sur le côté. Ce qui est important, c'est de faire main, main, pied, pied. Main, main, pied, pied. Et je reviens en cadère. De l'autre côté. Main, main, pied, pied. Et je reviens en cadère, les mains bien hautes. Je regarde devant moi. Reparti et je termine en cadère. De l'autre côté, à haut et je termine en cadère. Allons voir maintenant comment combiner ces différents mouvements. On va commencer par la décida basque, suivie d'un négatif et d'un relais. Dans ma jing, je me place en décida basque. Je transforme en négatif. De ma négative, je fais un relais pour terminer en cadère. Et je reprends la jing. Dans ma jing, je repars en décida basque. Je transforme en négatif. Et je fais un relais, cadère et jing. C'est la basique, j'appuie sur mon bras, je change mes jambes, je change mes bras, négatif, relais et je reprends ma jing. C'est la basique, appuie sur les bras, change de jambes, change de bras, relais et je termine en cadère. Pour terminer, je vais inclure les esquives que nous avons vues au cours précédent ainsi que la roue. Doucement. Dans la jing, esquiva latéral, décida basique, négative, relais, cadère, esquiva na cadère et au. Je reprends ma jing. Vous voyez bien. Base de la jinga, esquiva lateral. Décida basique. Négative. Volé. Cadère. Esquiva na cadère. Et à haut.